FIFA prend position sanctionnée, FIFA compte très bien ou toujours à diriger fédération. Par les bières de Varieno Saint-Flair, qui vient de non président Rololoy, ou toujours à diriger fédération. FIFA compte ça très bien. Ça nous saute tant de là, pourquoi on rien du tout, devant ça, nous prenons le temps de devant dans la vidéo ça. Juste avant, vous invitez nous, cliquez abonner, si vous ne pouvez trop faire, si c'est la première fois que nous venons sur ce channel là, et puis activez la cloche notification pour YouTube capable d'avertir nous à chaque nouvelle vidéo m'a sorti, notamment sur ce sujet ça. Varieno Saint-Flair, qui vient président par intérim, lui prend pause. Il n'y a pas pour signati, et puis il a fait varouche pour débloquer l'argent pour où? M'a dénoncé ou pour dossier ou commencer à éliminer le dangereux. Ou a fait prendre pour où? Pour bouler. Est-ce que nous tendez, ça me saute tendez là? Est-ce que nous prend sens, ça me saute tendez là? Moun kap pale a, li rele Antoine Doré, c'est lui-même nous t'étendé dans vidéo m'était sorti avant ça jodi a. Li se yon ancien directeur dans centre FIFA Gold là dans Ranch Kwade Bouke jusqu'à 2014. Li t'a dénoncé dernièrement en pile bagay. Fois ça, monsieur prend une autre dimension puisque nous tendel c'est directement la FIFA li attaqué. Moun kap pran dossier yo là, moi connais. M'a cité non yo. Cap détruit dossier yo. Kaye encadré chauffeur rapport. Ou a fait prendre pour te baou. Pour pas de preuve de son fait yo. On m'a trompé ou. Abisexuel, docteur Yves Jamba. Ou trompé ou. Commission d'éthique FIFA trompé. Ça l'a fait yo, c'est bobine. Mais FIFA trompé tête li. Il ne peut pas tromper moi-même. Je m'a dénoncé FIFA. Autant que l'a fait enquête dominanger ça. Enquête dominanger. C'est comme ça, Antoine Doré qualifié enquête commission éthique FIFA a fait sous Dadou Jambarla. Nous tendez comment Antoine Doré expliquait destruction de documents, chèques qui continuent à sortir. Baïdadou, selon Antoine Doré, président actuel, là, ça a remplacé Dadou pour un petit bout de temps, Varieno Saint-Flair, continue à faire chèque, vous voyez Baïdadou pour Dadou qui a opéré, malgré le sous-sanction, pas t'as supposé entrer dans rien qui gagne à football. Mais franchement, bagala grave. C'est pour FIFA faire enquête, sous ça pas déclaré, et pas sous ça déclaré pour FIFA faire enquête. Commission de tic ça, les sous bluff. Pas quoi dans ça l'affaire. Commission d'éthique là, c'est pour lever pied parce que là, je vais mourir, je vais garder ça l'affaire. Il y a des commission d'éthique là, pas attendre. Les gens qui sont responsables, ils pas attendre. Même le comité exécutif, ils pas attendre. Ils pas connu toute histoire ça. A vous demander email moun qui pas concerné. Moi connais après ça n'a attendu là grand pile nan nou qui vraiment tête nous en bouleverse même avec moi. N'a demandé mais comment fait Antoine Doré capable de porter de telles accusations, des accusations aussi graves contre la FIFA puisque la FIFA a déjà sanctionné Dadou Jambar, qu'on y a sanctionné Wilner Etienne, les sanctionner Nela Joseph, un complice en dénoncé de Dadou Jambar, mais il fait prolonger suspension Dadou pour 3 mois en plus. FIFA, pas besoin de prendre pause à prolonger sanction. Sanction, ça la prolonger, c'est pour le bas ou l'argent, pour continuer à théoriser le monde. Mais m'a dénoncé nous sur longue. Organisation internationale dénoncé déjà sous Zakou a fait
terrorisé victime yo. FIFA prend pause, l'a cherché victime et puis l'a bail l'argent pour terroriser victime yo. Antoine Doré retourner à chaque séquence dans et vidéo ça pour parler de l'argent, de moyens financiers que Dadou gagne pour faire pression sur victime avec son témoin. De qui l'argent Antoine Doré a parlé? Entendez. Comme ça, on a gaspillé, on a terrorisé les gens, on a relé les gens dans le pays étranger pour avoir une pression. Il n'y a pas petit loin. Hein? Organisation internationale dénoncer déjà. FIFA pas gagne l'autre choix. C'est pour les sanctionner comité exécutif à bisexuel là qui est au courant de tout bagaille. Les voyer comme bail pour faire championnat. Championnat ça son championnat pépé. N'a négocié avec entraîneur pour un monde qui sanctionné l'élection en 2011 la fait ZAM. Il le comité exécutif, la voyage en Europe, il va négocier avec l'entraîneur. Ça va être comme là, FIFA. FIFA au courant. C'est pour le monde qu'on est travail, FIFA fait tout en Haïti. Nous ne pas qu'à sanctionner, nous négocier avec l'entraîneur. Ça va nous doit ça. Ça va nous doit ça. FIFA pas connaît ça tout. Il pas connaît. Continuer ba nous l'argent. Kounye a pour n'a marcher. Ba moun pression. Tuer moun. Mais pas bon pour FIFA tout. Et pas bon pour FIFA. M'a continuer dénoncer ni ou même docteur Yves Jamba alias bisexuel ni FIFA. Ça FIFA pour prendre Haïti yo, li pas normal pour faire tout. Antoine Doré a parlé de l'argent que la FIFA baille, fédération en pile pays, tant qu'Haïti, qui pa gen gros moyen yo, pour capable back-up club yo dans le moment coronavirus là. Selon lui-même, c'est l'argent ça que le président Dadou Jamba t'apprend pour lui utiliser pour payer moun, pour bailler pression, etc., etc. Mais maintenant, est-ce que c'est vrai que la FIFA, au courant que l'argent ça a pas fait ça ou t'as dû faire, que t'as fait l'autre route, nous capables poser peut-être nos questions, nous capables d'analyser par nous capables d'essayer de comprendre ni gens nous voulons. Mais qu'on crée une bagarre qui est évident. Dossier, les plus compliqués, plus graves que tu es capable d'imaginer. Si c'est vrai, l'argent, ça a fait route cochue. Puisque, en pile, l'argent dans la fédération a habitué à faire route cochue. Donc voilà, nous voulons, une fois encore, venir avec extrait sonore, ça y est, avec nos acteurs clés, le monde qui était fait pile temps en dans fédération hein, qui était moins en pile bagaille et sans doute qui toujours était en contact avec la fédération qui connait pile bagaille qui a passé en dedans. Est-ce que la FIFA complice vrai? Est-ce que la FIFA a tenté protéger Dadou Jamba vraiment? N'a pas réponse on n'a pas trop longtemps puisque le temps c'est plus bon allié mon cap tant yo. 3 mois passés, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il faut que gon bagaille qui décide. En pile dans nous mettez l'espoir sur la FIFA. Puisque, au niveau Haïti, nous connaissons pas grand qu'à faire. Même les MPD dit nous, la FIFA, c'est une enquête administrative, n'est pas pénale, la FIFA pas capable de bailler aucun coupable prison. La suspension à vie, peut-être pas qu'on, des fonds, en dédommagement, pour victimes, yo. Mais là, est-ce que la suffit? Nous pas connaît. Moi, mettez 20 dans vous, moi. Nom, c'est Pierre-Richard Midi. Sous tes remèdes vidéo, sous remèdes sujets, sous remèdes channel là, bail, un like, partagez vidéo, et puis, surtout, abonnez, cliquez sur cloche notification, les vidéos sorties, prochaine vidéo sur sujet ça, puisque, m'a dit nous ça, pralgué en pile chaleur, pralgué en pile courri, dans dossier ça, gonti bombe, qui est pour tomber dans pas trop longtemps. Ah ouais, concernant dossier Yves Jambala, dossier football haïtien. Salut, à très bientôt, sur Chanel Pierre-Richard Midi, merci pour l'attention.